Bienvenue sur la première vidéo de PvP Warcraft, présentation de factions. Je suis très content et très ravi de vous présenter la faction La Bisounours. Dans cette vidéo, vous pouvez gagner 10€ de points boutique. Comment faire? Il suffit de commenter sous cette vidéo ton pseudo Minecraft et un petit commentaire positif ou bien ce que tu veux, avec un like sur la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube Energy Kev. Et en tout cas, j'espère que tu vas kiffer ce genre de vidéo. N'hésitez pas évidemment à me dire ce qui ne va pas. Est-ce que vous aimeriez avoir un en plus, le petit plus qui manque dans ce genre de vidéo? Je vais prendre en compte vos suggestions, etc. et essayer de travailler sur tout ça. En tout cas, très bonne vidéo à vous. Vous allez voir que j'ai gaffé. Vous allez voir que j'ai gaffé dans cette vidéo, mais en tout cas, ça me fait super plaisir. Et je suis content pour le retour de présentation de factions sur PvP Warcraft. Let's go! Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Une nouvelle et une première sur la nouvelle version de PvP Warcraft sur notre serveur PvP Sheet. Et aujourd'hui, pour démarrer cette série, je suis avec la Bisounours, accueillie par Sulfux et Malherbe. Bonjour à vous les gars. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien, 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 le petit comeback. Le petit comeback tranquille. De la Bisounours, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir aussi pour nous en tout cas. J'espère que vous allez être sage durant cette version. Donc j'explique le principe de cette vidéo. C'est très simple, on présente en fait, si vous préférez, une faction. Donc une faction où on va poser des questions, on va présenter leur FOM, on va présenter leur farm s'ils en ont ou pas. Et puis bon, les AP, pour l'instant les AP ne sont pas encore ouverts, donc ils n'ont pas encore d'AP, donc il n'y aura pas de présentation d'AP dans ce premier épisode. Mais voilà, c'est un peu le principe que j'ai lancé il y a quelques années maintenant, et présenter une faction et qui recrute des nouveaux joueurs, etc. sur PvP Warcraft, c'est toujours génial de le savoir. Donc déjà la première question, est-ce que la Bisounours recrute? Alors si oui, quel type de joueurs? Si c'est plutôt des joueurs farm, des joueurs PvP, et savoir si vous avez un âge ou pas pour entrer dans votre fac. Non, la Bisounours ne recrute pas, on garde juste les membres originels. Ok, d'accord, ça marche. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais. Alors, du coup, alors Sulfux, là, où est-ce qu'on est actuellement dans votre base? Là, on est au niveau du FOM, du coup, comment le lobby central de la base. Mais pour l'instant, qui n'est pas tellement décoré, il manque encore les décorations. Ouais, ça va encore, ça va encore, je trouve. Et c'est fait par Malherbe. C'est assez naturel, ouais. C'est assez cool et tout, ça va encore. Ouais. Je trouve que c'est pas dégueu, hein. Franchement. C'est agréable, c'est nature et tout, c'est cool. La base est en cours de construction, c'est pour ça. Comment? La base est en cours de construction. Mais après, oui, je me doute. Hein, le serveur vient d'ouvrir il y a quelques jours. C'est plus pour ça. D'accord, ok. Donc là, voilà l'accueil de la Bisounours. Donc peut-être qu'il y a des joueurs qui s'attendaient à un truc déjà de malade mental de la Bisounours, mais c'est que l'accueil, etc. Alors les amis, ici nous sommes dans une autre pièce avec plein de coffres. Alors où est-ce qu'on est, Malherbe, actuellement ici? Donc là, on est dans ma salle perso avec Itzvalor, qui est un autre membre de la faction. Et donc, voilà, c'est notre espace de stockage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans les coffres, hein, mais ça va s'agrandir. D'accord, donc en fait, est-ce que dedans, vous mettez vraiment les stuffs vraiment personnels, etc. ou vous mettez quand même encore des choses un peu dans vos PV? Ça dépend, en fait, c'est surtout comment les stuffs appropriage, après comment on les trie, on les met dans nos PV, le stuff le plus important. Parce que comment, Itzvalor, c'est celui qui trouve toutes les bases, comment c'est... c'est celui qui trouve toutes les bases dans la faction. Après, quand on va essayer, on s'occupe du PvP. Ah putain, les gars, attendez. Putain, il faut recommencer la vidéo. Oui, parce que à ce moment-là, je me rends compte que les coordonnées sont seulement affichées sur la vidéo, les amis. Et donc là, je suis assez surpris de la réaction de la Bisounours. Je vous laisse la suite de la vidéo. Non, les gars, je peux pas laisser la vidéo avec les coordonnées de base, en vrai. Non, mais vas-y, justement, les gens vont se dire qu'en quoi t'as oublié. Et du coup, ils vont voir venir et justement, ça va faire d'action. T'inquiète. Vous êtes sûr de vous? Sur ouais. Malherbe, c'est toi qui construis principalement la base. Ouais, non, vas-y. Non, mais parce qu'après, j'ai pas envie qu'il y ait une faction qui s'en va, qui dise ouais, les gars, ouais. Non, ça c'est pas nous qu'on va faire ça, t'inquiète. Bon, du coup, ici c'est une pièce avec la salle des coffres, etc. En gros, donc c'est pas mal. Voilà, j'aime bien aussi ce petit concept qui est en cours de déco, à ce que je vois. Ouais. En vrai, les gars, ça me fait bizarre de faire une vidéo de présentation avec les coordonnées en haut à gauche, hein, vraiment. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très très bizarre. Et je viens seulement de me rendre compte après quelques minutes de vidéo, mais bon. J'ai demandé à la faction d'aller faire un tour en Warzone avec eux pour les PVP, voir un petit peu comment ils se débrouillent ensemble, et vous allez découvrir que mon level en PVP évidemment n'a pas évolué depuis 2012 sur Minecraft. Je suis super content en tout cas d'avoir PVP avec la Bisounours, merci à vous. Donc là par exemple les gars, quand vous préparez à faire un event comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un endroit et cherchez du stuff ou quoi pour moi par exemple? C'est quoi ton pseudo? Malherbe. Ah oui, ok. En fait, du coup, vous avez chacun votre petite base perso comme ça, en gros, et puis... Malherbe, c'est lui qui a fait une base perso, comment? Mais bon, moi, après, ça, j'ai de la place dans mes PV, donc ça aide. Il est pas mal, le petit Malherbe, là. Il est bien dans sa petite base, lui.
Ouais, surtout il a trouvé une petite astuce qui est pas mal en plus. Il est bien lui là, regardez-moi ça là, tous les petits game buckets et tout là. Petit filou, préparez pas une petite trahison d'un bisounours toi par hasard? Ah mais ça on l'avait prédit ça. Ah putain, c'est les gars, attention à vous, parce que là je pense que Malherbe est pas parti. Ah non. Salaud là. Tous les mêmes de toute façon. Bon allez. Ah non, c'est ça, je et en fait, quand vous PVP par exemple, vous la bisounours, vous êtes combien les PVP? En général, on est bien 3 ou 4, mais ouais, là, quand on balance, il est pas dispo, Zeris, il est sur je sais pas quoi. Ok, ok. Et après, c'est parce que. Ok, ouais. Les gars, allez, c'est parti, on va essayer de conquérir la Warzone ensemble. Ah, il y a un totem. Ah, je sais pas. Ah, là-bas, les gars, il y a du monde. Il y a des joueurs. Ah, attends, UK veut. Tac. 165 mètres. Et les gars, par contre, les gars, il me faudra me coup. Oh putain, attendez, je perds déjà beaucoup de cœur là. Mais attends, mais t'es où? Mais les gars. Une archive. Les gars, j'ai un joueur sur moi. On arrive. Mais c'est quoi, attends, mais je suis même booté. Les gars, vous savez, je suis fondateur, je suis pas un joueur pro player PVP. Hein. Pour l'instant, je suis. Vous ne pouvez pas attaquer le leader à Malherbe. Bah ouais, logique. Vous jouez avec quoi comme sensibilité, par exemple, vous pour PVP? Attends, il se prend un locked. Moi, c'est 800 DPI en 84% sur le Minecraft. Et genre, vous. Comment. C'est quoi votre style de clic en fait sur la souris? Parce que moi, genre, j'essaie de faire Butterfly, ça dépend. Ouais, Butterfly, ça dépend. C'est mais quand c'est les mecs dur qui... en vrai, parce que genre, ma souris, elle part en couille. Et tout, manière, t'as sauté dans le trou? Bah, t'es gros, il est en train de t'allumer le gars là, non? Ouais, mais j'ai des crashs, je vais changer de PC justement. Mais, fin juin, début juillet. Ah ouais, ok. Mon PC, si je te lis les composants, tu vas bégayer. Hein. Mais attends. Mais what? Mais arrête les. Oula, Kev qui va commencer à rager là. Je peux pas insulter en plus, je suis fonda. Non, il sait pas bien de rager. Minecraft, ça reste un jeu libre. Tranquille. Ah, mon sauveur. Ah, mais il y a 40 points de vie en fait, je suis en train de me dire. On est... pour les avoir. Les gars, je vais mourir. Bah, les gars, je suis mort. Voilà. Vous avez pas su me. Vous avez... Il y a le sauver le soldat Ryan et vous m'avez niqué. Bon, je me suis mélangé. Ouais, moi, je, PVP... je fais pas de PVP, je vous regarde. Mais là, du coup, par exemple, là, Malherbe, il faut aller l'aider là, non? Ouais. Attends, faut que mon stuff. PV. Bon, est-ce que je viens pour l'aider? Comme tu veux. Vas-y, je vais le tenter. Après, il y a Zelris avec moi aussi. J'ai pas de potion. Vas-y, je prends. Hop, allez, c'est parti. J'y vais, les gars, j'ai. Oh putain. Ok, je suis déjà mort. Pas de soucis. Merci à vous également d'avoir présenté votre style de PVP. Et puis, merci pour ces petits moments de PVP en Warzone avec vous. C'était bien sympa. Et la petite dernière question avant qu'on se quitte, les gens. Quelle est votre meilleure faction, mis à part vous, hein, mais quelle est, vous pensez, la meilleure faction dans le serveur? Ah, moi je sais. Ah, la Bullfuck. Non, la Bullfuck. Ouais, la Bullfuck, ouais. pourquoi cette faction? Ah, c'est la faction de Novak, comment il est très chaud en pillage. D'accord, ok. Bon, en tout cas, big up à eux. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci Malher, merci Sulfux, merci Zelris. Merci à vous, merci la Bisounours. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos idées pour améliorer le concept de ce genre de vidéo. Si vous souhaitez savoir davantage d'autres choses, si vous avez des questions pour les autres factions, etc. En tout cas, la Bisounours malheureusement ne recrute pas. Mais voilà, vous pouvez retrouver d'autres factions sur les Discord, le Discord PvP Warcraft pour évidemment retrouver une faction qui recrute. Merci à vous les gars, bye bye. Oui.